Bon, tu l'as vu dans le titre, je ne vais pas tergiverser, je vais juste enlever ça pour enlever le reflet. C'est un haul action. Oh là là, mon maquillage, il se fait la malle. C'est le soir. Bon, allez, c'est pas un gros haul action, mais c'en est un quand même. Donc, on va commencer. Je me fais rire. Je vous expliquerai en temps voulu le pourquoi du comment je fais rire, je me fais rire. Vous comprendrez. J'espère que c'est pas lui qui revient avec sa mère et sa sœur. J'aimerais bien avoir encore un peu de temps. J'ai pris ces petites boîtes comme ça. J'étais avec ma belle-sœur. En fait, je suis partie déposer Tiffania à l'anniversaire de sa copine et ma belle-sœur a voulu passer à l'action. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça, belle-sœur? Bon, j'en ai pas eu pour cher. J'en ai eu pour 22 euros. Mais bon, voilà. J'ai pris deux boîtes comme ceci. Ce ne sont pas des grosses boîtes. Ce sont des boîtes de 2,5 litres. Mais ce format-là, on peut en avoir facilement l'usage. J'assoiffe. Attendez. Red Bull! Red Bull! C'est du bon, c'est de la bonne. Donc voilà, moi j'ai pris la 2,5 litres, donc elle fait 19 par 16,5 et 11 de hauteur. Voilà, je trouvais que c'est Thaïlande, on n'en trouve pas partout, je trouve. Et puis en plus de ça, il y a quand même le couvercle entre guillemets sécurisé sur les côtés, et des quatre côtés, s'il vous plaît. Donc voilà, elle se ferme. Parfait pour mettre les petites choses, pour moi ranger pour le déménagement. On est en plein dedans. Je pense même que je vais pouvoir mettre. Eh bien écoutez, la taille parfaite pour les crayons Twin Markers. Voilà, au moins vous le savez. Voilà, donc au moins je mets les Twin Markers dedans. Je les mets dans le carton, c'est rangé, c'est clean, c'est net. On est tranquille. J'ai mis au calme. Encore la folle. Et ça, j'ai plus les prix, je suis désolée. Dans les moins de 2 euros. J'ai pris ensuite des torchons à vaisselle. Il y en a 3 dedans. Donc, j'en ai pris déjà des verts. Attendez, il m'embête encore. On n'est jamais en paix ici, jamais. Donc, je disais que j'avais pris du coup des torchons à vaisselle que je vais d'abord faire tremper dans les cristaux de soude pour enlever l'après. Je crois que je les ai payés 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça. Donc, j'ai pris des noirs. Je les avais déjà pris en vert, en bleu vert. Donc, on a un plus blanc que noir comme ça. On en a un noir comme ça. Et on en a un noir grisonnant comme ça. Donc, voilà. Je vais les mettre dans les cartons pour l'autre maison. Ensuite, j'ai pris cette boîte également. Mais celle-ci, elle s'ouvre. Vous voyez? Donc, ça, c'est plus, je pense, que je vais prendre pour mettre dans la voiture pour les enfants. Parce que pour le trajet, 8 heures de route minimum, parce qu'on part avec des camions, ça va être long. Donc, il faut quand même des activités, il faut aussi des goûters. Je pense que ça va me servir plus de boîte à goûter pour la route, avec des petits gâteaux, des petits biscuits et tout ça. Je pense que ce sera le mieux. Enfin, voilà, j'essaye de prévoir aussi pour le confort de mes enfants. C'est un tout autre monde pour tous. Donc, voilà, il faut essayer de faire pour les uns, pour les autres, et pour que ça passe le mieux possible. Ah bah si, il y a la mesure là. Tout à l'heure, je cherchais la mesure. Donc ici, on est sur environ 29 par 17 par 4. Alors, j'aime bien parce qu'il marque que l'environ peut être de 4,5 cm d'écart. Il est gros, leur environ. Hein. Enfin, bref. Voilà, ça, c'est une 4,5 litres. Donc, c'était quoi? 2,5. Donc, voilà. Ça, je me dis, pour la voiture, mettre les goûters, ça ira très bien. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose de nouveau. C'est de chez Fabulosa et c'est le spécial Winter Spice. C'est le spécial pour l'hiver et il sent très très bon. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Alors, d'après ce que je vois sur la photo, il y aurait de la badiane, de l'orange, de la cannelle et peut-être aussi les ronds rouges là, je ne sais plus quoi. C'est pas écrit. Ce n'est point écrit. Non. Voilà. Moi, j'aime bien ces petits produits Fabulosa. Ils sentent bon. Et puis, voilà. Ils n'ont pas un effet de fifou. Mais ils sentent bon. Et franchement, j'aime beaucoup. J'en reprendrai parce qu'ils sentent vraiment un petit peu ouais, ce côté cocooning et tout ça qu'on aime tant. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai trouvé deux autres blocs de papier de scrap. Alors, celui-ci, je l'ai pris, mais c'est... Dans le bon sens, Céline, c'est mieux. C'est le Eat Some Cake and Enjoy the Day.
C'est un spécial anniversaire, mais bon, il peut servir pour autre chose que les anniversaires. C'est en effet recto verso comme ça. Je vous montre en viteuf comme d'hab. Voilà. Je l'ai pris pour quoi? Il m'a coûté 2,79 je crois. Je l'ai pris pour faire un album à la prof de Dragan. Parce que je veux lui faire ce cadeau. Je tiens à lui faire quelque chose, même si elle ne l'aura pas avant qu'on s'en aille. Je tiens à lui faire quelque chose pour la remercier des 2 années qu'elle a fait avec Dragan. Et je pense que je ferai aussi deux autres mini-albums pour l'école de Crépin, pour les professeurs qui ont eu mes enfants. Donc, les trois. Les trois, à part Morgane qui n'a pas eu la dernière du crépin, parce que je trouve que ce sont des professeurs qui ont eu une patience avec mes enfants incroyable. On voyait qu'elles aimaient leur travail, qu'elles aiment leur travail, elles donnaient du leur, et franchement, ça fait plaisir de voir des professeurs comme ça. J'en ai vu des profs passer, parce que quand vous avez trois enfants, enfin, vous voyez, vous passez toutes les années, souvent les professeurs changent. Bon, j'ai eu la chance d'avoir deux fois les mêmes pour les nains, et là, encore une fois, la même pour Dragan, 2 années de suite. Mais je peux vous certifier que certaines devraient se remettre en question, certains et certaines devraient se remettre en question pour ce métier, parce que l'éducation nationale n'est pas faite pour tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ma fille a subi du harcèlement avec une professeure. Elle lui donnait des punitions tous les jours à Morgane, qu'elle était en CP. CP, la pauvre, sa maîtresse, elle avait fait un AVC devant eux en cours, enfin dans la cour, dans les toilettes de la récréation. Ma fille a subi cette année-là le décès de son grand-père, et la pauvre, elle était harcelée par la prof. Je me souviens, j'avais été tapée scandale à l'école. Enfin bref, donc voilà, juste petite parenthèse, l'éducation nationale n'est pas faite pour tout le monde, s'il vous plaît. Avant de vous lancer dans l'éducation nationale, réfléchissez. Vous êtes en relation avec des enfants de la petite enfance jusqu'à l'adolescence, la préadolescence, et même l'adolescence et tout ça. Enfin, je compte aussi les années collège avec. Et sachez que tous les enfants sont différents. Et certains ont plus de difficultés que d'autres. Voilà, parenthèse terminée. Donc ce papier-là pour faire un album pour la prof de Dragan, Madame B, on va l'appeler. Et j'ai trouvé celui-ci, j'ai craqué. C'est le Let Life Surprise You. C'est celui-ci et je l'ai trouvé magnifique. Celui-ci n'est pas recto verso. Donc voilà. Il y a des paillettes dedans. Voilà. C'est du viteuf. Hein. Et celui-ci est un peu moins cher, étant donné que ce n'est que du verso. Du recto ou du verso? On ne sait pas comment dire. Bref. Donc celui-ci, il devait être à 2,49€, celui-là. Et l'autre, 2,79€. Quelque chose dans le genre. J'ai pris celui-ci. C'est, encore une fois, des petits cartons pour faire... En fait, c'est pour quand on veut mater quelque chose et faire des petites cartes et tout ça. Et j'avais pas du tout de couleur. Et je me suis dit, ouais, mais un jour où tu veux faire une carte, quand tu as besoin de couleur, tu fais quoi? Tu vas en acheter? Non. 1,99€. Vous avez une feuille de chaque couleur. C'est très bien. C'est très, 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 très bien. Ouais. C'est parce qu'en même temps, je suis en train de ranger. Donc, j'en profite. Je fais le haul. Et après, je vous laisse tranquille. J'ai pris également, pas bouger, une feuille de stickers. Je l'avais en double. J'ai pas fait attention, mais c'est pas grave. C'est celle-ci. La preuve que je la trouve très jolie. Voilà. C'est avec des petits ours et tout ça. On voit que c'est automnal parce que ça commence à faire de l'hibernation et tout. J'ai trouvé ça trop mignon. Et ça, c'était 99 centimes. Et la dernière chose que j'ai prise... C'est la dernière chose que j'ai prise. Ça me semble bizarre. Ah ouais, ça me semble étrange. Ah bah non, il y a ça aussi. J'ai pris ça. Un parfum d'intérieur pour mettre dans mes toilettes. Bohemian Fantasy. Ils sentent trop bon. Attendez. J'ai failli m'asperger la tronche. Ah oh oui, ils sentent trop bon. Mysterious Forest. C'est celui-ci. Franchement, il sent super bon. Si vous le trouvez, prenez-le. Ouais, je vous donne un ordre. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, madame. Oui, madame, petite arc-en-ciel. Ah, sinon, je vais me fâcher. Vous êtes des paillettes ou vous n'êtes pas des paillettes? On sait que les écologistes, ils les ont interdits, mais nous, on les accepte, les paillettes, et c'est d'accord? On est d'accord. Non, mais dites-moi. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est celui-ci. C'est quoi? Ouais, je sais pas, j'ai un regain d'énergie, là, d'un coup. D'un coup, d'un seul, je crois que c'est... C'est ça. Ça va donner, ce soir. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est, madame? C'est dans quoi que c'est? J'arrive pas à retrouver la...
la référence cinématographique de ce truc, la personne dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Ça me perturbe parce qu'à chaque fois je le dis et je ne remets jamais le doigt. Si vous l'avez, dites-le-moi. Bref, ceci, 4,95 €, ça fait un moment que je le vois passer. Non, je ne le vois pas passer, c'est moi qui passe devant. Parce que s'il se déplace, c'est qu'il y a un fameux problème. C'est moi qui passe devant et à chaque fois je me dis, tu m'intéresses, mais je ne te prendrai point. Tu m'intéresses, mais je ne te prendrai point. Et au final, je l'ai pris. Alors, c'est quoi? C'est un... Comment t'appelles ça? C'est un stylo thermique permettant de créer de fins effets métallisés sur les cartes, les bullet journal, les scrapbooks et bien d'autres choses. Voilà. Donc, ils disent que ça ne fonctionne qu'avec les produits Craft and Co. Heat Active Foil. OK? Vous allez sur le site Craft and Co. Je veux savoir le prix. Attendez, il faut que je remette ça. Sinon, Céline, la pauvre, rien de... Craft and Co. Craft. Il n'y a pas craft, c'est craft. Voilà. S'il vous plaît, merci. Craft and Co. Point EU. EU. C'est allemand. C'est néerlandais. Bon, en même temps. Action, c'est néerlandais, c'est mieux. Alors, ici, nous avons une machine à coudre. Il est très cher ton truc. C'est quoi le... C'est une coincée. Pourquoi il a fait ça? C'est des fous. Bon, bah, je suis bien contente de les acheter à Action. Oh là là! Alors. Oh. Alors, le film Hit Stylo Activite, là, je sais pas quoi, là. 13,99 €. Des serrures avec mon foil en moins. Hein. 13,99 €. Bon, il y a 3 mètres. Ici, on a combien? 1,22 m. Mais bon, qu'est-ce que je vais foutre avec 3 mètres? Tu crois que je vais m'amuser à repeindre ma maison ou quoi? N'exagérons rien, mes enfants, n'exagérons rien. Moi, je veux pas avoir ça, moi. Moi, j'aimerais bien voir le kit matériel, scrap et journaling. Ok, donc là, ouais, ok, on a des feuilles de foile. Je vous laisse aller voir vous-même. Hein. Bon, je vous décris ce que je vois. Donc, les fils que l'on voit, vous savez, les rigides, je ne sais pas combien ça coûte dans le magasin, mais là, sachez que c'est à 7,99 € pour 2,30 m. On a du vinyle dessus. Ouais, ok. C'est les meilleurs produits pour le bullet journal. J'essaye de voir quelque chose que l'on a, nous. Et du coup, on n'a rien, en fait. On a Ketch, Ketchy, Walou, Nada. On va essayer d'aller voir ailleurs. Parce que moi, par rapport à ça, je regarde dans le scrap, principalement. Mini-imprimante, 40 balles. Alors, le kit de démarrage pour stylo Active Heat Deluxe. Je veux pas le Deluxe. Donc, ça, c'est problème réglé. Imprimante d'étiquette, 64 €. C'est des fous. C'est des malades. Non, mais tu sais, 4,50 €, ça ira très bien. Alors là, le pen, donc celui-là, là, ça, ce truc-là. Et encore, il est à moins 25 %. Wouhou! On en fait des économies en France, en fait. Et puis, il n'y a qu'un seul truc comme ça, hein. Il n'y a qu'un seul foil. Je ne sais pas combien il fait le foil dedans, mais ça fait peur, hein. J'en ai des frissons, hein, regardez. Hey, c'est trop cher, hein. Je ne commanderai pas chez toi. La feuille d'or, elle fait exactement 15 par 122, comme ici, tu vois. Et je vous mens pas, je vous jure, je vous mens pas. 14,04 € pour le stylo et le foil, quoi. Non, mais... Ils ont craqué, ces Néerlandais. C'est des fous. C'est des ouf, franchement. Non, ça va aller.
J'essaierai avec d'autres foils, t'inquiète. Et puis, s'il ne servait plus, ce serait 4,95. Il m'aurait bien servi, j'aurais bien rentabilisé, t'inquiète. Oh, c'est des malades. Bref. Ça me trouve mal. Oh my god. Non, mais franchement, c'est pas abusé. Et nous, on l'a beaucoup moins cher, hein. 4,95€. J'hallucine. Je vous jure que j'hallucine. Bref. Donc là. J'ai un truc dans les dents. Donc là, du coup, nous avons différents foils. Je peux me la péter. Et mes amis néerlandais, je peux me la péter. T'imagines? 4,95€. Et là-bas, ils vendent ça. Et encore, là, il y a moins 25%. Sinon, c'est 20 balles. Bref. Attends, je vais éternuer. Donc ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 foils. On est chanceux. Avec le stylo est fait en USB, donc vous devez le mettre soit sur un adaptateur ou alors moi c'est PC, généralement le PC il est là, il y a un câble USB, je le mets. Une minute de chauffe et ensuite vous venez créer ce que vous voulez, sachant que la partie colorée doit être au-dessus. Voilà, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Donc écoutez, je testerai avec ça, mais j'ai des foils que j'avais achetés déjà chez Action une fois. Donc, on testera aussi avec cela. Mais je pense qu'il doit y avoir un truc. Je pense qu'il doit y avoir un truc pour que ça fonctionne. Genre, au bazar. La petite maison miniature, là, qu'on a chez Action. Attendez, je vais faire ma recherche. Attendez. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais vous me direz. Les maisons miniatures, si c'est de la marque Crafts & Co., si vous en trouvez, dites-moi un petit peu. Parce que là, j'en vois le minimum quelques. En promotion, s'il vous plaît. Je vérifie quand même mes dires, mais je vérifie quand même. Oui, c'est bien ça, c'est en promotion. La moins chère est à... Et tu dis pas de bêtises, non, Céline, elle ne dit pas de bêtises. 19,99€. La moins chère. Et je crois qu'une qu'on a eue dans les magasins, il y a une chocolatière, je pense qu'on a eu un truc dans le genre là. Elle est à 27€. Je pense que c'est une chocolatier qu'on a eue. Ou Coffee Time. Si c'est la Coffee Time, elle est en 32,99€. Je trouve ça aberrant. Enfin bref, nous avons de la chance. Bon, sur ce, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Du coup, vous êtes devenu bancal avec mes conneries. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que je vous ai demandé. Si vous ne voulez pas répondre, si vous ne savez pas quoi mettre, soutenez-moi, ça me fait plaisir. Vous êtes mes paillettes, n'hésitez pas. Je tenais par le petit arc-en-ciel, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez le petit arc-en-ciel. Voilà. Et puis, complètement azimuté cette meuf. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours pas fait. Si vous le désirez, c'est avec plaisir qu'on vous accueille ici. N'hésitez pas. On a un groupe Facebook, même si ils sont timides, les gens. Vous êtes timides. La timidité? Mieux. Derrière notre écran, non, timide? Non. Tu n'es ni mon ami. Eh, si moi j'arrive à me filmer, vous pouvez m'écrire des petits messages. Hein, ou vous écrire à vous. Hein. C'est très bien. Hein, c'est très bien. Bref. On se retrouve dans une prochaine vidéo.